Hello tout le monde, c'est Romain, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur Cube 2, un jeu édité, développé par Tenyot Games et Toxic Games. C'est un jeu action plateforme, j'ai pu déjà faire le 1 en vidéo si vous vous souvenez. En tout cas, la vidéo est disponible encore sur ma chaîne. C'est un jeu actuellement gratuit sur l'Epic Games Store, donc chaque semaine il y a un ou deux jeux gratuits sur Epic Games. Du coup, j'en profite pour certains des jeux qui m'intéressaient. Auparavant, de pouvoir faire une vidéo dessus ou pouvoir faire tout simplement une découverte dessus si le jeu m'intéresse. Et du coup, ici on se retrouve sur Cube 2. On va partir sur une nouvelle partie. Si vous vous souvenez bien, en gros, il fallait résoudre des. Si je me souviens bien, des genres de puzzle games. Et fallait choisir une couleur d'un cube pour pouvoir passer à la salle suivante ou des trucs comme ça. Il y avait toutes des petites énigmes à résoudre. Je sais pas du tout si sur le 2 ça sera encore pareil. Alors, on est dans un désert, je sais pas. Robert. Un T-Rex qui arrive. Anyone, help me. Please. Je suis pas sûr que tu vas trouver de l'aide ici quand même, parce que vu la gueule du terrain. N'empêche, elle a des pertes de conscience et d'un coup elle se téléporte 10 mètres plus loin. Sutcliffe of the Vitruvius mission. I am stranded in an unknown location following mission success. Are there any survivors out there? Hello? This is Dr. Amelia Cross. I'm picking up your signal. I repeat, I am reading you clearly. Ok, on est enfermé dans un genre déjà de prison. Super. Try and remain calm. Your systems are slightly damaged. I can't identify what your rank was either. Looks like you're suffering from cryogenic-induced amnesia. What? What are you talking about? You must have been part of Vitruvius, tasked with destroying the cube. Damn. The escape pods must have brought us both back to the origin planet. That life suit you're wearing, you can manipulate the cubic structures with it. We use the same design to destroy... Ok, on est dans la planète d'origine des cubes, apparemment. Je suis pas sûr. Non, c'est un mur. But if you listen to me and do as I say, we may actually make it back home. Understand me? I don't know what the hell is going on, but just tell me what I need to do. Okay. I've detected a human distress beacon coming from the peak of the structure you're in. Your signal is weak because of this blasted sandstorm. I can't log on to you. That beacon is above the storm. If you can just make it there, you should be clear. If you rendezvous with any other survivors, I should be able to use my teleporter to extract us all and get home. Apparemment, il y a d'autres... Right. D'autres survivants. Ok. Les portes sont toutes seules, d'accord. J'étais apparemment attendu. Alors par contre, s'ils se referment derrière moi, je suis dans la merde. D'accord. Bon, à partir de quand commencent les énigmes? En tout cas, le jeu est beau, hein. À savoir, il est sorti le 13 mars 2018. Should have access to the launch pad function, co-colored blue. Try
placing one on any white cubes that have a frame, using your left glove. Then stand on it. Woo! Jesus! I wasn't expecting that. You better get used to it. Donc les bleus, ça fait rebondir. Il me semble qu'ils ont gardé le même schéma de couleur. Hello? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Anybody here? Non, pour l'instant, les énigmes sont assez simples. C'est bien parce que ça fait une histoire et en même temps, tu dois résoudre des trucs. Ok, le clic droit, c'est pour sortir des trucs. Hop. Easy peasy, comme on dit, hein, dans le jargon. Oh! Emma, I've found something. Oh, still no signal. On peut interagir avec les trucs. Ouais, je peux créer des trucs rouges, trop bien. Voilà, je peux switch entre les deux. Donc ça, c'est-à-dire que je peux tirer, ok. Yes. Toi, d'avance, tu peux déjà faire ce que tu veux. Ah, rip. Alors, faut me laisser le temps de comprendre quand même, hein, parce que on va pas se presser. J'ai peur que c'est mes mains. Oh là, ça sent l'ascenseur hyper long. Oh là là, ça sent l'ascenseur hyper long, mec. Vu la vitesse qu'il va. Ah non, ça va, ils nous ont libéré du temps. Chapitre 2, les cordes. En plus, c'est classé en chapitre, ok. Alors. Voilà, là, je pense que ça va commencer à se corser. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est des trucs interactifs. Ça, ça veut dire ça doit être ça, ça. Merde. Putain, si j'ouvre pas. Si j'ouvre pas le truc, ça va parler. Ok. Alors. On va faire ça. Can you hear me? Reading you loud and clear. How are you doing? Making progress, I think. Imagine, à un moment, il y a un gros monstre et tout. Listen, I wanted to ask, what do you remember before waking up? I don't. Not really. I think I was heading towards a job, a dig site in Scotland. I was in a helicopter with my team. And you don't remember what happened? No, I don't. Are you interrogating me, Emma? Because it sure as hell feels like it. Emma? Oh, damn it, this stupid thing. I best continue. Faire ça, ça sera mieux. Putain, ça va même pas assez loin. Ok.
Ok. Pourquoi ça va pas assez loin? Mais what the fuck? Ah d'accord. Voilà, ça va mieux. Ça doit être la même merde. Voilà, c'est passé. On va essayer d'aller jusqu'au chapitre 3. Ah bah, je pense que c'est après ça. Bon, on va faire le chapitre 3. Ça sera mieux. Parce que je pense que le chapitre 3 est juste en haut. Si ça garde la même topologie de chapitre, à mon avis, là, je fais le chapitre 3. Allez, c'est parti. Voilà, maison des feuilles, tu vois. Bon, on va faire chapitre 3. Puis on s'arrêtera là, je pense, parce que je vais pas tout faire non plus. Oh, interesting. It's like the structure itself can duplicate and grow. Hop. En fait, c'est un jeu de logique, hein. Au détriment d'être un puzzle game, c'est un jeu de logique. Alors, voyons voir déjà un saut. Ok, hop, toi ça rentre. Je me demande à quoi sert ça. Oh, the fuck. Ah, mais fuck. Non, mais plus simple. Par exemple, si je fais ça... Oh, ça le fait tomber. Hop. Si ça marche pas comme ça, on va le faire à l'inverse. Voilà, ça passe. Oulou. Non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, c'est bon, je vais voir la porte. Ok. Mmh.
Alors là, comment réussir à monter en haut, quoi? À moins que, au final, c'était juste pour ma montée. Est-ce que je peux le pousser? Je peux pas le pousser. Ok, là ça commence à se corser. Bon, déjà c'est pas long. Il doit y avoir un truc à faire. Hein. Bah, enfin, quoi. Oh, putain, je suis con, on peut le bouger le mur. Que j'arrive à me jeter moi en fait. On peut pas se jeter. Une technique de merde. Hop. Je sais pas si c'était ça. La vieille technique de merde. Oh, on voit le jour. Ouah, des armes. Emma, can you read me? I'm reading you. Are you all right? I've come across an exterior space. The storm has cleared up and, well, there's life here. There's water and plants. That's unexpected. This doesn't look accidental either. The structure of the space, the organization of it, it looks purposeful. It reminds me of my husband. In what way? Oh, he works with plants. Oh, it's amazing. Come on, Lily, before another storm comes. Agreed. Speak soon. Ok les gens, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On arrive, je pense, au début du chapitre 4. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez voir une suite, pourquoi pas en live. Mais en tout cas, sachez que le jeu est gratuit pour l'instant sur l'Epic Game Store. Donc profitez-en, récupérez-le gratuitement. Il y a un autre jeu avec, je sais plus ce que c'est Layers of Fear ou quelque chose comme ça, pardon. Du coup, n'hésitez pas à récupérer tant que c'est gratuit. Après, il sera payant, sachant que de base, il est à 25€ en promo. Donc, je ne sais même pas encore ce que c'est son prix réel. Voilà, j'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, petit commentaire et vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Je suis Twitter, Facebook, Instagram, Discord. Tout lien sur la description. Je mettrai... Pardon. Je mettrai peut-être un lien de Cube 2 si Gameslate le vend en description. Sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.